Bonsoir à tous. Lorsqu'on veut acheter, échanger, louer en Polynésie, on a tendance à passer par les réseaux sociaux et notamment par Facebook. Il faut savoir qu'aux Fénois, 88% des internautes utilisent ce réseau social selon la DGEN. Ce sont des chiffres de 2019. Mais d'autres communautés se créent. Deux amis, Warren et Matariari, viennent tout juste de lancer le tout premier site polynésien entièrement consacré uniquement à la location d'objets divers. C'est parti du fait que l'augmentation des prix, du coût de la vie, l'inflation et tout ça. Donc c'est une forme de résilience, en fait, rien de cool pour pallier à ça. Et nous, ce qu'on aimerait bien faire, c'est vraiment une communauté de particuliers. Ça va de l'outillage à l'espace vert. Par exemple, si vous avez besoin d'une débroussailleuse juste pour la journée, au lieu d'aller en acheter une, vous pouvez avoir accès à ça sur le site, s'il y a quelqu'un qui le propose, bien sûr. Ça peut aller jusqu'au service aussi, dans le sens où s'il y a quelqu'un qui se propose de faire, par exemple, du babysitting, du jardinage, ou peu importe le service, dans le sens, pour se faire un petit peu d'argent et puis proposer ses services et qu'ils soient assez visibles, en fait. Avantage de ce site internet par rapport aux réseaux sociaux, selon eux, eh bien, c'est le contact par mail qui évite d'exposer son profil Facebook, par exemple, et donc ses données personnelles, mais aussi le contrôle des objets qui sont mis à la location et également la modération. Mais ce site internet a un autre objectif et il est écologique. On évitera d'acheter des biens qu'on n'utilise qu'une seule fois. On évitera de stocker ces biens à la maison, parce qu'il y a de plus en plus de gens en Polynésie qui habitent dans des appartements. Ils n'ont pas forcément la place, ils ont beaucoup de passifs, et donc ça leur permettra d'avoir un petit revenu. Après 4 mois de travail, leur site internet est en ligne depuis le 30 septembre dernier. Plus d'informations à retrouver sur notre site internet www.tntv.pf.